Hi everyone, and welcome back to a new video. Today we're going to learn 10 reflexive verbs. So, a reflexive verb is a verb that needs a pronoun in order to be conjugated. Our first verb is se souvenir, to remember. Se souvenir. And here's how to conjugate it. Je me souviens. Tu te souviens. Il se souvient. Nous nous souvenons. Vous vous souvenez. Ils se souviennent. Je me souviens de nos vacances à Berlin. I remember our vacation in Berlin. Je me souviens. De nos vacances à Berlin. Elle ne se souvient pas de son numéro de téléphone. She doesn't remember her phone number. Elle ne se souvient pas de son numéro de téléphone. Number 2 is se soucier. To care or to worry. Je me soucie. Tu te soucies. Il se soucie. Nous nous soucions. Vous vous souciez. Il se soucie. Mon père se soucie beaucoup de mon avenir. My father. Worries about my future a lot. Mon père se soucie beaucoup de mon avenir. Tu te soucies trop de ton travail. You care about your work too much. Tu te soucies trop de ton travail. Number 3. Is s'inscrire to sign up to or for something. S'inscrire. Je m'inscris. Tu t'inscris. Il s'inscrit. Nous nous inscrivons. Vous vous inscrivez. Ils s'inscrivent. Va-tu t'inscrire au cours de danse? Are you going to sign up for the dance class? Vas-tu t'inscrire au cours de danse? Il faut s'inscrire pour pouvoir participer à la compétition. You have to sign up to participate in the competition. Il faut s'inscrire pour pouvoir participer à la compétition. Number four is S'exprimer. To express yourself. S'exprimer. Je m'exprime. Tu t'exprimes. Il s'exprime. Nous nous exprimons. Vous vous exprimez. Il s'exprime. C'est ton tour de t'exprimer maintenant. It's your turn to express yourself now. C'est ton tour de t'exprimer maintenant. Ils s'expriment très bien pour des enfants. They express themselves really well for children. Ils s'expriment très bien pour des enfants. Number 5 is s'enfuir To escape or to flee. S'enfuir. Je m'enfuis. Tu t'enfuis. Il s'enfuit. Nous nous enfuyons. Vous vous enfuyez. Il s'enfuit. Je me suis enfui de mon pays à cause de la guerre. I fled my country because of the war. Je me suis enfui de mon pays à cause de la guerre. Cinq prisonniers se sont enfuis dans la nuit. Five prisoners escaped during the night. Cinq prisonniers se sont enfuis dans la nuit. Number six is se divertir to entertain yourself. Se divertir. Je me divertis. Tu te divertis. Il se divertit. Nous nous divertissons. Vous vous divertissez. Ils se divertissent. Nous nous divertissons en faisant un puzzle. We are entertaining ourselves by doing a puzzle. Nous nous divertissons en faisant un puzzle. Elle regarde la télé pour se divertir. She is watching TV to entertain herself. Elle regarde la télé pour se divertir. Number 7 is S'évanouir. To faint. S'évanouir. Je m'évanouis. Tu t'évanouis. Elle s'évanouit. Nous nous évanouissons. Vous vous évanouissez. Ils s'évanouissent. Il s'est évanoui à force de rester au soleil. He fainted after staying in the sun. Il s'est évanoui à force de rester au soleil. Je me suis évanoui car je n'ai pas mangé de la journée. I fainted because I haven't eaten all day. Je me suis évanoui car je n'ai pas mangé de la journée. Number 8 is s'abonner to subscribe. S'abonner. Je m'abonne, tu t'abonnes, il s'abonne, nous nous abonnons, vous vous abonnez, il s'abonne. Nous sommes abonnés au New York Times. We are subscribed to the New York Times. Nous sommes abonnés au New York Times. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Number 9 is Se calmer. To calm yourself down. Se calmer. Je me calme. Tu te calmes. Il se calme. Nous nous calmons. Vous vous calmez. Il se calme. Tu te calmes maintenant. Calm down now tu te calmes maintenant. vous n'aurez pas de cadeau si vous ne vous calmez pas. you won't get any presents if you don't calm down. vous n'aurez pas de cadeau si vous ne vous calmez pas. and our final verb is se gratter. to scratch yourself. se gratter. Je me gratte. Tu te grattes. Il se gratte. Nous nous grattons. Vous vous grattez. Il se gratte. Arrête de te gratter le bras. Stop scratching your arm. Arrête de te gratter le bras. Mon chat se gratte souvent l'oreille. My cat often scratches its ear. Mon chat se gratte souvent l'oreille. That's all for today. Merci de m'avoir écouté. J'espère que la video vous aura plu. I hope this video helped you and that now you feel more confident using reflexive verbs. If you want to learn more, you can go to lingoni.com and check out our app and other videos. Until then, A bientôt